y a quelqu'un qui m'a moustaché. J'étais en BLU, les 73-51 à la station de la part de Dandy 33. Allez, c'est Nicotine 33, ça va? Ok, d'accord, les 73 à toi, Nicotine. Ouais, j'étais en train d'écouter un petit peu comme ça sur les subs, là, à droite, à gauche. Et j'ai été moustaché, donc le temps de redescendre et tout, patin, coup fin, hachis. Voilà, j'étais un petit peu loin arrivé. Et puis tant qu'on devait te croiser, bon bah c'est pas, on n'a pas fait piger, mais moi je t'ai vu, parce que j'ai reconnu la voiture. Ben, disons qu'en plus que j'étais en train d'écouter sur les sup, j'étais absorbé par d'autres trucs, des conneries là sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Hein. À croire que la chaleur, c'est con ce que je veux dire, mais la chaleur échauffe certains esprits. Donc j'étais un petit peu plongé là-dedans. Du coup, tiens, et là maintenant c'est un pick-up là que je viens de croiser avec la CB dessus. Un pick-up noir. Oh, je crois savoir qui c'est. Ouais, je crois que j'ai reconnu. Il doit être de Coutras, de ce côté-là. Quoi. Ok, ça marche. Eh bien écoute, je pense qu'à mon avis, tu dois aller au fond peut-être. Ouais, et après ce week-end, je serai sur du côté de Saint-Émilion. Là, je m'en vais sur Mérignac. Ok, ça marche. Eh bien, bon courage, bonne route, et puis bon QSO si t'as reconnu quelqu'un alors. Non, mais apparemment, il n'était pas en fréquence parce qu'il aurait déjà breaké ici. J'ai du coup staché pas mal quand même quand on s'est croisé. Ah, j'ai trois coups. Ouais, là, je m'en vais sur Mérignac. Hein. Donc, j'embauche à 18h30, mais bon, là, il est 17h17 avec la circulation, ainsi de suite et tout ça. À chaque fois, je suis obligé de m'y prendre largement en avance. Ouais, bah, c'est bien connu. Hein. Avec la chaleur, on va essayer d'arriver plus vite que dans la voiture. Moi, je sais pas si elle active, mais moi, je sais pas en tout cas. Ah, ben on peut se serrer la main. Pour le coup, je viens juste de réouvrir la fenêtre à l'instant même. Je commençais à avoir chaud. Ok, ça marche. Bon, ben moi, je vais bientôt m'arrêter. Je vais quasi faire mes courses. Je te dis à la prochaine. Et puis, les bonnes 73, et puis, bon courage pour le coup. Ok, tu vas au Leclerc. justement, je suis en train de regarder où j'en suis au niveau carburant. Hop, c'est bon, j'ai de quoi faire. Ok, bonne course, les bonnes surprises 51 à toi et à plus. Demain matin, normalement, je devrais avoir Daniel Centaure 33 qui lui est sur Saint-Médard. Donc je devrais l'avoir sur la route. Là aussi, on va papoter un petit peu. Allez, bonne course, à plus. Ok, bye bye. Comme quoi, il faut toujours être prêt. C'était pas mon cas. Faut toujours être prêt là quand à prendre le micro. Bon, ça se calme un petit peu. Alors, c'est de mon côté. Là, cet après-midi, c'était surtout l'Espagne et les environs là, qui passaient. Un peu l'Amérique du Sud, vous voyez, avec le Brésil. Mais c'était surtout cantonné sur l'Espagne et les environs. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 du plus haut du pont d'Aquitaine. Alors, côté circulation, sur le pont même, c'est chargé, mais c'est tout cuirot. Sur la rocade, par contre... Ben oui. Bonne fin de journée à tous, bonne route pour ceux qui travaillent sur la route. Oh. Hop.
Il y a quelqu'un qui a répondu, il est 73 de la station. Ouais, j'ai entendu quelqu'un répondre. Ah ben c'est pas grave, bonne fin de journée à toi la station et à la prochaine. Salut. Ouais, salut. Et oui, ça passe fort hein, sur le pont d'Aquitaine. Bon bah ben, écoute, c'est que l'un de l'autre, c'est pas toujours très à toi. Ah bah c'est clair, je suis dans la descente du pont d'Aquitaine, là je m'en vais sur Mérignac, je m'en vais au pont là pour la nuit. Bah écoute, on va personne, je ne peux pas te dire exactement où je suis. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que je retourne sur la Dordogne. On doit pas être très loin, je suis sur l'autoroute en direction de la Dordogne. Ok, donc on est en train de s'éloigner alors. Ok, si c'est en direction de la Dordogne, on s'éloigne. Ok, ben avant de te perdre complètement, les bonnes 113-51 à toi, voilà, de la part de Dandy 33, bonne route. Et à la prochaine à la croisure, hein, un chi droit coup, bonne route. Allez, 113 à toi Dandy, au plaisir, salut. Oh, ça passe mieux là de ce coup, ben, j'ai pas tout compris moi. Bon ben on va continuer un petit peu comme ça en attendant. De toute façon, les salutations, les au revoir sont déjà faits. Ça c'est fait. Ben, si ça reste, si ça tient un petit peu encore, ben, autant continuer. Là tu t'es pas de la région, tout le monde dirait. Ah la vache, j'étais à nouveau pas mal perdu. Je t'ai entendu parler, mais bon, j'ai pas vraiment compris ce que tu as dit. Là, je suis en train de j'arrive à la hauteur du lac. Donc là, je suis à deux pas, on va dire, entre guillemets, d'arriver sur la station essence totale. Bon ben ça passe plus, c'est pas grave. Donc les re 73-51, re-salutations, re-bonne route, re-bonne fin de journée, retournez. Et à la prochaine. Merci, à bientôt. Ah putain, mais là, au niveau de quand ça passe ou ça passe pas, ça le fait exprès. Parce que là, pour le coup, sur la fin, ça va passer. Ok, bon, ben ce coup-ci... Ah bah tiens, j'arrive en plein sur les bouchons, là, en sortie du lac. Ah bah oui, c'est l'étranglement... ah bah non, pas encore. Ah bah si, c'est l'étranglement des chantiers, là, qu'il y a après. Ok, merci, bye. Salut, salut. Attention, Daniel, senteur, es-tu sorti du pro? Si t'es encore au pro, vas-y réponds. Non, c'est l'inverse. Alors, attention. Oh zut, de Gratignan. Ça va pas me revenir. Le coyote de Gratignan ou alors Yankee 33 pour Dandy 33 qui vous appelle. Attention, Denu 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Ok Nico, les 73-51 retournés, comment vas-tu? Il fait chaud là moi de mon côté, du tien aussi? Hachi! Ah tu m'étonnes, surtout hier. Hier c'était la d'après ce qu'ils ont dit à la télé, c'était la journée la plus chaude. Et là, là au QRA, je vois, là j'ai quoi? J'ai peut-être 4 degrés d'écart par rapport à hier, pas plus. Hein. Hier, c'est impressionnant, mais j'ai l'impression que c'est pareil, mais
Non, non, je... Attends, j'entends des pimpons. Ils sont de quel côté? De quel côté? Oh, je vois tout le monde qui se pousse vers la gauche, les autres vers la droite. Ok, d'accord, je les ai dans le rétro. Non, je suis en mobile. Je m'en vais au pro, là, je m'en vais sur, sur Mérignac. Alors, attends, que je laisse passer. Voilà, ok. Ah, il y a encore là. Il y a encore là. Ah, mais c'est pas vrai, ça, c'est tout un peloton. Ben. Ok, ça y est, c'est bon. Je m'en vais au pro, là, ce coup-ci, je suis sur Mérignac. Demain soir avec, je serai sur Mérignac. Et après, ce week-end, sur du côté de Saint-Émilion. Oh la vache, je t'ai à peine deviné dans le lointain. Là, je t'ai complètement, complètement perdu. Bon, ben, on verra bien tout à l'heure si ça repasse à nouveau. Si c'est pas le cas, ben, les bonnes 13-51 à toi. Merci pour ce petit contact vite fait. Et à la prochaine. Ouais, j'ai un petit peu qui est passé. Ok, les 73-51 retournés. Ciao! Oui, Daniel, ça tombe bien. Je viens juste de démarrer, de tout démarrer. Là, ça y est, là, je sors du site. Je sors juste de la maison. Là, j'ai juste d'embarquer dans la voiture. Je suis dans le lotissement. Voilà, depuis mon office, voilà, ça m'aide. Ok, d'accord. Alors, les bonnes sont 13-51, déjà pour commencer. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, je suis dormi, alors je suis désolé parce que je suis comme ça qu'on a passé hier et avant-hier, je ne t'en parle pas. Surtout hier, j'ai eu des retours de fumée. Jusqu'à ça m'aide, je ne sais pas si tu as eu aussi les mêmes cas. Bonjour quand même aussi, pardon. Rémi. Voilà. Donc ouais, c'est la simplicité, là, c'était super. Ok, bon, je m'arrête un petit peu, là, pas longtemps, et ce que j'ai vu que je commençais à... ça commençait à être un petit peu limite, là, par rapport à tuer. Non, là, cette nuit, ça a été... les collègues m'ont raconté, la nuit dernière, ils ont été tellement envahis de fumée que ça leur a pété des alarmes incendies de tous les côtés. Ils ont passé la nuit à courir à droite, à gauche, sur les alarmes incendies et tout, bah oui, forcément... vu que c'était apparemment c'était envahi de fumée ici, donc au secours. Alors par contre, de mon côté, la nuit dernière, comme là j'ai attaqué ma première nuit, donc au QRA je me suis décalé, je suis allé me coucher à 4h. Et arrivé vers les 2h, je commençais à sentir un petit peu, quoi. Tu vois, c'était vraiment tout léger, un petit peu quand même la fumée. Mais ça fait quand même un bout de route, hein, jusqu'à chez moi, là-bas, à la limite d'Ordogne. Je pensais pas que cet incendie qu'il y a sur la côte pouvait pousser la fumée jusqu'à là-bas, quand même, comme ça, quoi. Si, c'est les fumées de l'Andiras que t'as reçu, toi. Pour nous, je pense que c'était celle de la tête de bûche, mais pour toi, là, c'était l'Andiras, hein, voilà. Ils ont même ressenti, ils ont même vu des nuages. Ah, il y a du monde derrière. Jusqu'à Limoges. Alors, c'est pour te dire, hein. C'est pour te dire. Jusqu'à Limoges, il y a eu des nuages de fumée qui étaient portés. Ouais. J'en parlais. Vous voyez qu'on n'est pas tout seul. C'est finalement là, cette petite pluie, là, j'espère que ça a apporté. Un peu de soutien là, à nos chanteurs, parce que c'est vrai qu'il y en a bien besoin là. Ah ouais, pendant que tu avais le micro, j'ai entendu qu'il y a du monde derrière. Hein, ça a l'air, bon, c'est assez loin. Hein. C'est assez QRP, mais il y a du monde en fréquence derrière. Alors pour cette nuit,
La pluie qu'il y a eu, franchement, ça a été 3 gouttes. Je me suis là pour la ronde, j'ai pris le parapluie avec moi, mais je n'ai pas eu besoin du tout. C'est vraiment, vraiment 3 gouttes, histoire de on va dire, de coller un peu la poussière sur les véhicules, tout ça, mais rien de plus. Donc, à mon avis, sur les incendies, les gouttes qui sont tombées ont dû vraisemblablement s'évaporer avant d'arriver dessus. Ouais. Ben, nous, on a eu quelques coups de tonnerre, là. On a eu un peu d'orage sur Canet, hein. Bon, là, si je vois que la route, effectivement, elle n'est pas bien trouvée. Donc, ça a dû, ouais, effectivement, ça a dû être au problème. Finalement, c'est tout le monde qui s'est passé. C'est la finesse. Ouais, donc, le chasseur, je ne sais pas. J'espère que c'est plus tombé sur les secteurs concernés que par ici, mais bon, ça a fait du bien. Parce que alors, je ne dis pas, là, même aujourd'hui, là, ça va faire du bien là, avec cette affection-là. C'est bon. Hein. Ouais, pour demain et après-demain, là, ça y est, là, je suis là où tu étais, là, ce matin. Voilà, je suis aujourd'hui, là, et après, je reviens sur la braille. Ok, donc demain tu seras pas là alors? Non, demain je travaille pas, demain et après-demain je travaille pas. Bon ok, d'accord, je regarderai la météo, comment aller. Si c'est cool du côté météo, peut-être que je prendrai la moto dans ces cas-là, là ce soir. Parce que je reviens ce soir. Je jeterai de ce côté-là alors. Là je suis en train de faire une petite vidéo, hein, au fait. Hein. Alors pour je saute de Coq à l'âne pour vendredi soir pour le resto, alors visiblement on serait, il y a des chances qu'on soit 8 à table. Oui, alors donc Isabelle, Hélène et son mari. Isabelle, son mari et Hélène et son mari. Il y a un couple du côté forum aussi, hein. Là, qui sera avec nous. Je me souviens même plus de son identifiant sur le forum. Oh, quel con. Bon, il y a un couple de ce côté-là qui sera aussi avec nous. Hein. Ok, d'accord. Ah oui, non, Hélène, c'est vrai qu'elle sera en famille. Hélène, je crois qu'elle sera en famille. Oui, ok. D'accord, ah, ben écoute, il n'y a pas de souci, hein, justement, super. Super. Oui, Hélène, maintenant ça me revient, elle arrive que samedi matin. Eux, de leur côté, ils arrivent que samedi matin. Hein. Donc c'est pas pareil. Attends, j'aimerais reprendre la route. Tu peux passer sur le 32, allez, en Lima Sierra Bravo. 32 en Lima Sierra Bravo. 31 ou 35? Ah, pourquoi? T'as un problème avec le 32? Pardon, oui, le 32, oui, oui. Non, j'ai bien compris, le 32. Oui, ok, 32, Lima Sierra, bravo, c'est parti. Ok, ça marche. Ouais. Ok, voilà, je suis rendu. Ouais, moi, c'est pareil, hein. Je suis pas tout seul. Parce que c'est pile bien calé, là, sur le périphérique. Ok, alors attends, je t'ai proposé en Lima Sierra Bravo, parce que la dernière fois, là tu dois être avec le Lincoln, je pense. La dernière fois, on a fait le test en uniforme Sierra Bravo. Et bien souvent, ça diffère quand on passe en Lima Sierra Bravo. Je sais pas pourquoi, mais des fois c'est différent. Ah, non mais tout à fait, puis là c'est un pile poil, là je t'écoute là, parfaitement, là, sans rien avoir touché, juste au calage de la fréquence, c'est ça qui est bien. Oui, je viens de jeter un petit coup, voilà, j'ai repris la route, je viens de jeter un petit coup d'œil sur le clarifur, et ouais, on va dire qu'il est au centre aussi de mon côté, donc c'est nickel. Ouais, c'est ma bagnole, c'est con, hein. Si t'as la boîte, c'est la qui merde. Ça va gonfler là.
oui, mais tout à fait. Non, moi, comme je t'ai dit, là, c'est pareil, là, j'ai rien touché, là. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pécancé aussi, alors je sais pas, je me réécouterai sur la modulation. J'ai un petit peu, tu sais, élargi les lamelles là, du micro, hein. Voilà, donc il faut que je. Donc je pense que la BS, quand même, sont meilleures. Eh bien oui, parce que toi sur le coup j'ai même pas percuté. Tellement que là au niveau justement au niveau micro, là c'est devenu normal quoi par rapport à la dernière fois où c'était plutôt en sourdine. Là pour le coup t'as une modulation normale. C'est ouais voilà. C'est là c'est. Je suis en train de chercher mes mots là. Là c'est correct, voilà, pour faire court c'est correct. Ouais, comme je t'avais dit, j'ai levé la poitrine qui était devant et puis comme j'ai écarté un petit peu, là, ben, comme je t'avais dit au téléphone, voilà, j'ai écarté un petit peu, là, ben, j'ai élargi un petit peu là, au niveau de cette petite lamelle du micro précédent. Ah, ok, d'accord. Sur le micro CRT, j'avais fait le trou, puisqu'il y avait déjà un trou, que j'avais légèrement élargi. Là, comme ce sont des lamelles, donc j'ai simplement élargi pour faire un petit peu des lamelles. Putain, hé, tu parles de trou, tu parles d'écarté. De quoi tu parles? Toi, tu commences bien la journée, toi. Ouais, c'est mercredi, c'est la journée des enfants, c'est l'éducation. Allez, alors. Tu parles de trous, tu parles d'écarté, tu parles d'enfants. Eh, hey, ça commence à devenir sexuel ton affaire. Je suis devant le stade de tir de GNT, là, pour te donner la situation là. Alors là, je connais pas là. Mais c'est à gauche de là où tu sais, quand tu sors du rond-point. Juste après le rond-point de GNT là à gauche. Ah oui, je crois qu'il est envahi de campeurs. On va dire ça comme ça. Oui, mais ils sont partis parce qu'il n'y a plus personne. Ah tiens, d'accord. Je vais te jeter un œil, là, il n'y a plus personne. Ah d'accord. Donc apparemment, le camping n'était pas si bon que ça, quoi. Ça fait pas croire. Bon, allez, hop. Ah ben, je suis avec Christian aujourd'hui, la tête. Ah, chez trois coups. Au fait, pour le vendredi soir, après le gastro, tu auras une antenne 27 mégas à tester, non? Alors, mon antenne 27 mégas, mais mon carbone, que je vais mettre sur la base magnétique. Oui, non, mais je voulais dire en... Ah oui, d'accord, ok. Je voulais dire en antenne de fixe, pour voir comme ça, si ça vaudra le coup de monter les tubes et tout. Oh merde, on improvisera, on verra sur le coup. C'est comment ça t'étillera d'un côté ou de l'autre. Ok, non, puisque le dipôle que j'avais amené, il est monté au Radio Club, comme tu le sais, et je n'ai pas d'autre antenne, si j'ai un HP9CV. Mais alors il va falloir que je la regarde, voilà, éventuellement que j'essaie de la contrôler pour voir si elle est fonctionnelle. Ok, hey, t'as aussi l'antenne pour le 146 mégas. D'accord. Il va falloir que je vois là que j'attrape un long fil que j'ai ou je sais pas comment je vais faire. J'aimerais brancher un PC avec le SDR dessus.
Je ne sais pas si je brancherai un long fil ou si j'utiliserai la petite antenne, la mini-antenne qui est avec. Quoique si c'est pour écouter sur des fréquences hautes, en VHF, UHF, de ce côté-là, la petite antenne pourrait suffire. Quoi. Je ne sais pas, on verra sur place. Ok, d'accord, Emile. Voilà, bon, Christian est là, il vient d'arriver, là, Ok, d'accord. Et au fait, tu sais que là, j'ai tout le matériel dans la voiture. Hein. J'ai les antennes, les tubes, les postes, la station pour expédition avec le 7009 dedans. J'ai la voiture qui est pleine. Hein. Là, pour le coup, il me reste plus grand-chose à mettre dedans. Ok, je vais te laisser. Les 73-51 à toi. Merci pour ce petit contact. Voilà, je suis en train d'arriver à la sortie de Busca, sortie 7. Voilà. Alors, bonne journée à toi. Les 73-51 aussi à... ça y est. À Christian. Voilà. Là, et à plus tard. Dernier passage, 58 là. 58 sur le parking, face aux pistes. Voilà, je suis face à la tour de contrôle. Voilà, 57 là, dernier passage, je me dis. Allez, 73, bonne route et rentre bien. Ok, bon, c'est normal, j'ai des chevaux derrière qui sont lâchés. Donc c'est normal. Ok, merci, bonne journée à toi, à plus. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, eh bien je sors justement d'un QSO, là j'étais avec Daniel Senteur. Voilà, sur le canal 32. Les 73-51 de Dandy 33 actuellement sur la rocade. Dans la zone de chantier, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Pour être un peu plus précis, j'ai pas de protèle de sortie là de suite à la seconde. Mais tout ça retourné, 73-51 de opérateur Le Chat. Le chat Olivier. Sauf erreur. Tiens, je suis en train. Je suis pas loin de la sortie 5 Bordeaux Fret là sur la rocade Bruges. Le chat Olivier. T'es pas sur internet des fois tout hasard hein, parce que ça voir je confonds avec quelqu'un d'autre. Ah mais ça doit être toujours confondre. Ok d'accord, j'ai tardé un petit peu à reprendre parce que j'entendais quelqu'un aussi derrière. Non bah ok d'accord, mais je me trompe. Non, je confonds. Ouais, Marc, en plus de ça, moi je suis en train de débaucher là. Donc j'ai les neurones à moitié QRT, donc on va mettre ça sur le compte de la fatigue alors. Ok, c'est bon ça, tu vois moi je fais le contraire, je m'en vais boucher. Oui, et là j'ai vu le signal monter d'un coup, je crois qu'on va se croiser. Si tu vois un toaster blanc dans la diagonale gauche par rapport à vu que tu dois être en sens inverse de moi, avec une antenne dessus, c'est moi. Là, tu vas croiser un porteur, il y a marqué MT20 dessus.
Alors, non, j'étais là, j'ai vu un D, il avait marqué un D, un porteur, ok, non, là c'est. Non, pas encore, je sais pas. J'arrive sur la sortie de Bruges, zone industrielle. Bon, ben on s'est croisé. Ok, on s'est déjà croisé. Ok, bon, ben alors, tu débauches, là, tu fais quoi comme pro? Ah, je suis agent de sécurité. Ouh là, j'ai une voiture derrière. Ça sent la voiture américaine. J'aimerais pas payer le plein de carburant là. Ouais, je suis agent de sécurité. Et là, cette nuit là, j'étais sur Mérignac. Ce soir, j'y retourne. Je sais pas si je suis en voiture ou en moto. Il faut que je zioute la météo. Ce week-end, après, je serai sur du côté de Saint-Émilion. Putain, mais qu'est-ce que c'est comme voiture qu'il a? Ça sent la Mustang. Oh oui, tiens, je viens de doubler une Mustang. Ah, ok. Ok. Eh ben, écoute, je vais te souhaiter une bonne nuit de repos, si je puis dire. Et puis, bonne continuation pour ce soir. Et puis voilà, puis peut-être à la prochaine pour la fréquence. Ok, bah de toute façon, quand on a les yeux fermés, hein, il fait de suite nuit. Hein. Ok, ça marche, tu dois être rendu au boulot, donc j'imagine. Les bonnes zones 1351, voilà, de Dundee 33. Si tu fais du DX, 4, alors c'est 14 km 3301. Voilà, opérateur Rémi, en mobile ou en fixe sur Sainte-Colombe, c'est-à-dire à côté de Castillon-la-Bataille, là-bas, limite d'Ordogne. Et bonne journée, à plus. Ok Rémi, 3651, bonne journée à toi, bon repos et puis à bientôt sur la QRD. Merci beaucoup, bye. Ah vous voyez, quand on prend le micro, eh bien on fera un chien du monde. Ça marche. Tout simplement. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, c'est encore tout cuiron, mais ça commence à se charger là dans le sens de la descente. Et bonne journée à tous. Merci, tout ça retourné. En plus, il fait moins chaud aujourd'hui, ça va être un peu plus supportable. Et voilà, encore un exemple. Quand on prend le micro, ça marche. Mais il faut insister, ça ne gagne pas à tous les coups. Hein. De toute façon, quand on fait de la radio, on va à la pêche. Là, ce matin, la pêche a été bonne. Voilà, ça c'est fait. C'est nickel. J'ai bien vu que c'était dans FM. Ben, il se cache où? Bon, il y a du monde là, je sais pas où c'est. Quelque chose par là aussi. Et voilà.